Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va attaquer en tant que médecin. On n'est pas original, vous le savez, c'est depuis quelques temps déjà ma troupe favorite maintenant. Enfin, je l'ai remplacée par les guerriers. Je les utilise quand même toujours, surtout quand il y a des bases assez, enfin, qui s'y prêtent énormément. Le QG en milieu de base, enfin, en milieu de terrain, par exemple, comme la position de ma base. Et puis après, voilà, quand le mec n'a pas 50 000 générateurs de boucliers, tout ça, ça passe bien en général, on se le fait. La petite attaque full guerrier des familles, ça fonctionne toujours bien. Mais là, aujourd'hui, on est en tant que médecin et on va aller se faire, allez, 2-3 mercenaires que j'ai repéré un petit peu. Je suis allé voir parce que je voulais pas non plus me ramasser la gueule. Par exemple, au début, je me suis dit, tiens, main de tank 57, on va aller voir ça de suite. Et puis là, en fait, quand j'ai vu la disposition de la base et tout, je me suis dit, bon, 12 000 de vie, 18 000 de vie, un super canon, plus 8 000 de vie. Là, j'ai vu plus 10 000, je me suis dit, le mec est full. Et effectivement, ouais, le mec est full statut bleu presque. Enfin, il a beaucoup de statut bleu. J'ai dit, on laisse de côté, c'est bon, on va pas foirer la vidéo juste pour lui. Donc, j'ai choisi ces deux petits là, qui sont à côté d'ailleurs, Ibrahim et Deka. On va voir si j'ai des pertes, ne vous inquiétez pas, je les renforcerai assez rapidement. Alors, donc là, la première chose à faire, c'est d'éviter cet électrocanon. Ou alors, je me le fais. En fait, je sais pas. Non, je vais pas me le faire parce qu'il va y avoir un super canon qui va me tirer dessus. Sinon, je vais passer en fumée. Comme ça m'évitera aussi ce super canon et cette électrobombe. Et on va donc détruire cet électrocanon parce qu'il fait mal. Ce super canon, et après on frisera ce super canon et cette électrobombe. Et ça devrait passer comme maman dans papa. Voilà. Vous le savez maintenant, ça commence à devenir la règle de base. Alors, oui, voilà. Par contre, faut pas faire le fou. Ne fais pas le fou, s'il te plaît. Alors, les débarquements en fumée, c'est pas forcément ce que j'affectionne le plus, dans le sens où il faut être au millimètre pour ne pas dire. Qu'est-ce qui se passe là? D'accord, ok, ouais. Bon, vous le voyez, c'est complètement n'importe quoi. Non, mais c'est extraordinaire. Je vous le disais que les médecins étaient extraordinaires. Ils le sont toujours. Ça fait 2 fois que j'envoie une fusée éclairante. Ils ont toujours pas décidé d'aller aider ces putains de tanks, c'est un truc de fou. Ils sont redescendus. Se mettre à couvert. Enfin, c'est extraordinaire. Bon, je vais les renforcer, mais c'est extraordinaire. Je déteste débarquer en... merde, j'ai oublié de le détruire, là, tiens. Je déteste débarquer en tank médecin sous fumée parce que c'est un vrai carnage. Hop, normalement 3, ça suffit pour un super canon. Voilà. Allez, on va les mettre là parce que sinon on est là jusqu'à demain. Allez, c'est un vrai carnage. J'ai déjà perdu 2 tanks. J'ai fait absolument n'importe quoi, que de la merde. Ce qui m'a gonflé déjà, c'est le... Merde. Les médecins, ouais, bon, ça après, de toute façon, je le dis, je le répète, c'est comme ça avec Supercell depuis le début, enfin, j'ai jamais vu de différence. Un petit peu de Tortue Ninja, ça va faire du bien. Les médecins, il n'y a rien de plus débile que ça dans Supercell, enfin, dans Supercell, dans Boom Beach. Là, par contre, ça va vraiment me casser les couilles. Hop. Un truc, je comprends pas là. Tu vas monter ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Que je te passe un ascenseur, c'est ça? Allez putain, mais monte en haut là, oh là là, c'est un truc de fou, voilà. Eh ben, il en a fallu du temps. Donc on va renforcer, je vais cramer des diamants pour rien, c'est vraiment débile d'avoir vautré cette attaque. Mais voilà, dès que j'attaque le fumi, je sais très bien qu'il suffit qu'une unité soit blessée derrière et les infirmiers vont redescendre. Vraiment débile quoi, ils suivent même pas la fusée éclairante, je préfère... Je préfère, c'est la honte, 2 tanks et 8 trucs alors que je suis boosté, c'est juste la honte. Je préfère largement perdre un infirmier plutôt que les perdre tous. C'est juste con ce que je dis, mais c'est la vérité. Donc celle-ci, alors, il faut que je vois, donc les lance-roquettes ne sont pas forcément boostées. Et ouais, mais là le problème c'est que je vais devoir attaquer aussi en fumée. Mais remarque, une fois que je suis en haut, après je suis tranquille, normalement ça devrait aller.
Bon, on va se le faire, on va voir ce que ça donne. Allez, on renforcera les troupes après si, s'il y a besoin. Tac. Allez, on va safe. On a beaucoup de points de canonnière, donc on va safe. C'est parti. Bon, là, je vais perdre de la vie, ce qui est tout à fait normal, mais c'est pas grave. Ça va obliger les infirmiers à coller ces satanés tanks maintenant. Ça, c'est plutôt une bonne chose. On va les renvoyer là-haut, hop. Comme dans le film, là-haut, enfin, le dessin animé. Ok, tais-toi. On en renvoie encore un pour éviter que les lance-roquettes me tapotent sur la tête. Et derrière, il me reste 52 points de canonnière. Et je viens maintenant laisser les tanks faire leur business tout seul. Et je vais m'occuper de détruire tout ce qui peut me faire chier en fait. Voilà, donc notamment les super canons. Hop. Alors là, par contre, j'ai envie que vous fassiez les choses comme il faut. Donc, les gars, remontez. Parce que là, voilà. Le super canon a vu un premier tank. Poum, il a mis un shoot. Les trois quarts de sa vie sont tombés par terre. Hop. Donc, si. Voilà. Si je n'avais pas fail la première attaque, celle-ci serait allée encore un petit peu plus vite. Vous l'avez vu, faudrait presque que je blesse un de mes tanks au début pour forcer tous les médecins à suivre mes tanks, c'est abusé. Non, on va récupérer quelques points de canonnière gratos. Ils ont été gentils et ils me les ont mis tous au fond. Donc on va aller les récupérer jusqu'au bout. Là, par exemple, typiquement, ça, c'est quelque chose qui me rend fou. Ça, vraiment, ça me rend fou. Ça, je vous le dis, ça me rend fou. Mais c'est abusé, quoi. Il y a des tanks qui sont blessés là-bas, mais non. Et là, les mecs vont finir la map ici. Donc je vais les perdre, forcément. Parce que je ne vais pas les couvrir. Ah, il s'est enfin décidé. Le mec s'est enfin décidé, ça y est. Il a dit, j'en ai marre de prendre des pralines dans la tronche. C'est vrai que c'est pas très gentil. Hop, allez. On se replace là-haut, j'ai assez de points de canonnière pour friser tout ce que j'ai envie de friser. Les mitrailleuses, il est hors de question que je gaspille les points de canonnière pour ça. Peut-être une petite paire de tortues ninja. Non. On va rester comme ça. Allez, une petite paire de tortues ninja pour le lance-flamme. Même pas, bah, il est déjà mort. Ok, je veux voir. C'est bon, ça n'attaque pas mes tanks. Eh ben allez, c'est parti, voilà. Très bien. Bon, ça c'est fait. Ça me chagrine énormément, énormément d'avoir fail sur la première attaque de mercenaires. Vraiment, je vous le dis, j'ai les boules, vous l'avez senti un petit peu. Mais on peut pas être parfait toujours. Et quand on voit mon... Merde, je n'avais pas mis silencieux. Hop. Voilà. Et la dernière attaque, celle-ci va être un petit peu plus compliquée. Non, on va passer par derrière, ça devrait aller comme papa dans maman. Hop, allez, c'est parti. Tac, hop, hop. Non, on les cache les amis, on les cache. Allez, normalement. Bon, c'est bon, il est repassé dessous. Hop. Ne vous inquiétez pas les amis, ça devrait le faire, ça devrait le faire, ça devrait le faire. Alors, je fais toujours gaffe. Bon. Ok. Là, c'est ma faute. Là, pour une fois, je ne peux pas. Non, je suis pas sous le fumier. Il est pas passé sous le fumier. C'est bon, il est sous le fumier. Est-ce que les médecins ont suivi? Les médecins ont suivi, c'est le plus important. Et là, normalement, à part le mortier qu'il va me tirer dessus, même pas. Voilà. Bon, on va se refaire quelques points de canonnière. En attendant, je vais éliminer ce qui m'embête un petit peu. Hein. Ah d'accord, j'ai déjà perdu les infirmiers qui sont là, c'est ça? Voilà, j'en ai perdu deux, c'est parfait. Putain, ça me gave. Et ça me gave d'une force. C'est impressionnant, je vous jure. Allez, on va remonter là-haut. Ça devrait le faire comme ceci. Là, on devrait être bien. Allez. La paire de tortues géniales. La paire de tortues ninja. Oui, oui. J'étais un grand fan de Dragon Ball Z. Ah, mais en fait, j'ai fait le con. Enfin, j'ai fait le con. J'ai ciblé le QG.
Et qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il s'avance? Bon, bref, voilà. Ça a été fait à l'arrache, vous l'avez vu, je vais reconstruire mes troupes et me concentrer un petit peu. Mais je vous ai présenté trois attaques mercenaires. Voilà. C'était ce que je voulais, ça n'a pas été aussi efficace que ce que je pensais. Encore 3 tanks et 4 infirmiers, c'est juste abusé, sachant que normalement l'unité tank médecin, enfin la compo, a pour avantage de ne pas refaire ses troupes toutes les attaques. Bon là, j'ai attaqué des mercenaires, bon ils n'étaient pas très forts non plus, hein, 58-59, ils n'étaient pas tous boostés. Donc je suis un petit peu chagriné, mais c'est pas grave, ça arrive. Et je vous montre quand même la vidéo, je vais quand même la publier. Même si je ne suis pas fier du tout de ces attaques de mercenaires. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne YouTube et à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook, pardon, au Toto des familles, et Twitter aussi, c'est le plus important. Salut les gars, ciao.